Aujourd'hui, nous sommes à Aiguemort, petite ville rempart située dans le Gard, où nous allons aller à la rencontre de Cécile Desserles, une artiste peintre qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir sa performance en images.
Cécile. Merci de nous recevoir dans la galerie où tu exposes en ce moment. Comment tu en es venue jusqu'à là? Parle-nous de ton parcours. Je suis née dans une famille de céramistes. Et donc l'art, c'était quelque chose qui faisait partie de notre quotidien. Moi, je sortais de l'école, le premier truc que je faisais, c'était aller à l'atelier et toucher la terre, les émaux, les pinceaux, enfin, c'était mon quotidien. Et c'était mon quotidien, et en plus de ça, l'art chez nous, c'était une culture. On allait tout le temps voir des expositions, des musées, etc. Et quand mon père allait chercher sa terre du côté de Salerne ou du côté de Biote, je le suivais. Et là, forcément, j'ai rencontré des grandes pointures de l'art et j'avais l'environnement, c'était les tableaux de Picasso, de Giacometti, les sculptures de Giacometti. Voilà, et c'était merveilleux, ça m'a ouvert les yeux et voilà, je suis née là-dedans. On a vu pendant ta performance que tu prenais tes modèles en photo, tu les peignais en mouvement. Explique-nous comment ça marche. Le mouvement, c'est éphémère, c'est quelque chose qu'on est sur le point de perdre en permanence. Et c'est peut-être encore une fois une course, justement, quand voilà, essayer d'attraper ce qui va disparaître. C'est peut-être un leitmotiv important chez moi. Voilà, donc effectivement, je travaille avec des modèles avec qui j'ai une grande complicité. Je trouve tout ce que je veux chez la femme. C'est pas que j'aime pas les hommes, bien au contraire, mais c'est pas pareil, c'est pas la même expression. Et puis peut-être au fond de moi, c'est le reflet de moi-même que je cherche. Donc je pense que tout travail artistique est parfois autobiographique. Et je pense que c'est peut-être une recherche de ma propre féminité et de tout ce qu'on cultive quand on est petite fille, quand on se construit en tant que femme. Il y a plein d'images qui viennent et qui nous construisent. Et je pense que c'est la somme de toutes ces images qui sont maintenant là dans mon travail. Collaboration avec Abdelatif Kechiche. Donc Abdelatif Kechiche, qui est le réalisateur de La vie d'Adèle, qui a été primé au Festival de Cannes. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, déjà, comment ça s'est passé, cette collaboration? C'était une rencontre assez merveilleuse, parce que bon, je pense que c'est un peu exceptionnel dans une vie. Et puis, et surtout, c'était très touchant parce que d'abord, il a eu le coup de cœur pour mes toiles et ce qui lui plaisait énormément, c'était justement que je sois une peintre femme qui dessine des femmes. Donc pour lui, c'était important. On regarde du rôle effectivement de Léa Seydoux. Est-ce que cette collaboration avec Abdelatif Kechiche t'a permis d'avoir d'autres collaborations aussi? Je vais faire une exposition pour le Festival de Cannes. Donc c'est vrai que oui, voilà, ça m'a apporté des nouveaux projets. Génial. Et donc je vais exposer au Carlton et du coup c'est d'autres portraits de stars, c'est des nouveautés, donc c'est intéressant. Nicole Kidman, Marion Cotillard, voilà, il y aura super. De jolies femmes à nouveau. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton univers, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres, tes toiles? Il y a d'autres galeries aussi en France et à l'étranger, avec Marrakech. Bientôt, et puis des grands salons d'art contemporain aussi, comme Strasbourg ou Art Hub à Lille. Et bientôt, des projets avec l'Angleterre. Donc, c'est en train de prendre forme. Merci Cécile. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Art Maniacs, l'art dans tous ses états.